Ah non, ne parlez pas moi, hein. Moi je n'ai rien dit à personne. On a vu la saison, à 48 hein on a vu la saison, on avait dit ils ont etc. Tu vois, c'est pas propre. Didier ne peut pas répondre à certaines questions et on n'a pas de joueurs, on fait comment? Depuis l'époque que t'as pris, on n'avait plus vu ça quand même. Ouais. Je sais pas, moi. Ça prouve que la gestion du club est en difficulté là. La gestion du club est en difficulté, en quoi vous pouvez attribuer la gestion médiatique. La gestion médiatique à quel niveau? C'est normal, pas un signe de sérénité. Rien que du match, on n'aura eu aucun joueur de la semaine sur le match. Rien que pour parler du match. C'est le match le plus important de la saison, pour vous comme pour nous d'ailleurs. C'est exact. Voilà. C'est pour ça que les joueurs souhaitent travailler dans la sérénité. Et après concertation avec eux, on a décidé que c'était le meilleur des choix pour les laisser travailler et jouer le match dans les meilleures conditions. Non, c'est une décision concertée de la direction du club, de protéger l'ensemble du groupe. Je pense que c'est une position qui est compréhensible, c'est pas de la langue de bois. C'est quand même très lourd d'avoir un match comme ça. On est à Marseille, on a quand même l'habitude de gérer des épiphénomènes qui viennent toujours se greffer autour des rencontres à fort enjeu. C'est vrai que là, on en aligne quelques-unes et bon, c'est compréhensible que dans ce contexte apparaissent des épiphénomènes. Mais je vous le répète, la priorité est la rencontre de ce week-end et donc là-dessus, le groupe est entièrement concentré là-dessus, le coach aussi. Mais franchement, si Mandanda était venu parler un quart d'heure, ça aurait mis en danger la préparation du match, honnêtement. Les joueurs souhaitent se concentrer uniquement sur le sportif en ce moment.